Et le salut du love des bisous les amis, c'est Alex NCN et le Don Alex. Comment allez-vous en ce mercredi 2 août? 2 août, eh oui. 2 août 2023, on est encore pendant la période des vacances. Mais mon côté, c'est pas encore les vacances, c'est que après-demain, eh ben, on se retrouve pour une vidéo sur Ratchet & Clank Rift Apart, épisode numéro 4. Et je vous précise maintenant, l'épisode numéro 5 durera à peu près 45-50 minutes environ, donc ce sera l'épisode le plus long de la série de vidéos que je tourne parce que c'était prévu comme ça au départ, sachez-le. En tout cas, je suis content de vous revoir parce que forcément, je vais pas beaucoup tourner cette semaine à part ce week-end, voilà, comme d'habitude. Et en plus, j'ai pas joué depuis dimanche, j'ai pas fait de vidéo depuis dimanche de mon côté, donc forcément, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et important, ça va être les vacances, donc il y aura un live ce week-end. Et un live enfin, enfin un live pour moi ce week-end, mais où ça sera bien avant cette vidéo, donc vous serez déjà au courant. Voilà. Dernière partie, on allait partir avec le vaisseau, hein, évidemment. Mais bon, je crois qu'il fallait faire un dernier truc, il fallait retourner au QG, il me semble, un truc comme ça. Je sais plus trop. Bon, en tout cas, on y va. Ok, c'est parti. On est toujours avec Clank, Rivette. Et ben, let's go. Hop! Ok, par contre, le son du jeu, il... ouais, mon PC il a mis le son à 99%, ça m'a niqué les oreilles. Ah, il faut enchaîner, ok. Donc là, il y a un enchaînement de gravité. Ok, bon, je vais te réparer. Et du coup, on va pouvoir changer de planète. Bonne nouvelle. Alors, monsieur Zorkon, est-ce qu'on va l'avoir? Non. Alors. Est-ce qu'on a des armes? Alors, cette arme est niveau 5, ça c'est une bonne nouvelle. Le pistolet niveau 3. Est-ce qu'il y a d'autres armes qu'il faudra que je monte au niveau 3? Ouais, l'exécuteur. Et le champitron. Prochaine arme à monter, c'est l'exécuteur. Maintenant, les boss, quand on galère, on prend une arme qui est liée au niveau 5. Hein. Mais bien sûr, je ne veux pas oublier un truc important, c'est Madame Zircon, je vais vous reparler. C'est les améliorations. Maintenant, il faut qu'on monte au pistolet mitraille. Ok, donc on a 26. Ok, donc là. C'est quoi que j'ai monté, c'est ça? Voilà. Ok. Hop. Très bien. On va chercher les trucs en dessous. Ok. Les dégâts de tir font plus de dégâts, en gros. Ok. Ça, c'est bon. On va essayer aussi de le pixeliseur, parce que forcément, c'est une arme qu'on utilise très souvent ces derniers temps. Hop. On va la faire comme ça. On va la faire comme ça. On va améliorer petit à petit. Et je crois qu'à chaque fois que l'arme est level up, on gagne plus de... d'informations par rapport aux améliorations. Voilà. Les ennemis vaincus lâchent occasionnellement des munitions. Ça, c'est bien ça. Et troisième arme, c'est l'exécuteur. Qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Dans cet épisode. Ok. Hop. Quoi? Non, ça va être tout juste. Voilà, ça va être tout juste. Les tirs perforent tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Très bien. Bon. Ça, c'est bon. On change de planète. On va se rendre à une autre planète du coup. Alors, choix de planète. Est-ce qu'il y a le choix de planète comme dans les autres Ratchet & Clank? Je ne sais pas. L'info robot? De quoi s'agit-il? Non, c'est quoi? Fantôme, Moidoy, Capitaine Quantum, Klatsky, moi. Membre de la résistance, j'envoie la liste de cibles de l'empereur sur le réseau. En route, il faut réparer ce communicateur. On a une dimension ok. à sauver avant que l'empereur nous trouve nous aussi. On y va. Alors, les planètes. Donc, on a Corse of 5. Ça, c'est la planète de Nefarious. On a Poste avancé L51. C'est Sargasso. C'est là où Ratchet il va arriver bientôt, d'ailleurs, je crois. Champ de débris de Sarkarstouche chez Zerki. On y va. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on contrôle pas que Ratchet. On contrôle aussi Rivette dans le jeu. Alors, je sais pas si ça va être un changement entre les deux ou si on va contrôler que Rivette. J'espère qu'il y aura vraiment un changement parce que ça... C'est un peu dommage de contrôler qu'un seul personnage. Alors qu'on a deux Lombax qui sont très intéressants. Par contre, ça montre vraiment que le jeu est futur, hein, qui est dans le futur, parce que vraiment, c'est des nouveaux personnages, etc. La planète des Norcons. Quoi est-ce que tu penses? Ratchet. Il pense à Ratchet. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. Ah, ok. Peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer. Mais faut pas t'en vouloir, mon Clank. Non, faut pas qu'il s'en veuille. C'est pas vraiment sa faute, il a pas fait exprès. Et ton communicateur sera bientôt réparé, c'est déjà
Un début? Pas marrante. Tu fais rire personne, bof. Ok. On est à Zircon City, du coup. On va voir ce que ça donne. La planète, on dirait qu'elle est stylée, quand même. Ok, on récupère les boulons. On perd pas de temps. Hop. Ok. Alors. Ça rappelle un petit peu. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais la planète où il y avait quasi... Une planète très basique dans les Ratchet & Clank, qui a une planète dans l'espace. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que des robots ici, ok. Planète sur une planète avec que des robots. Bonjour, monsieur, dame. Mesdames, messieurs, plutôt, parce qu'il faut être poli, c'est mesdames en premier et messieurs en deuxième. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Bah ça c'était que des robots pacifiques, gentils. Pacifiques, ouais. Y'a pas de méchants, pour l'instant. Attendez, hop. Hop. Ok. Les boulons. Ok. Une planète où la gravité change en 2 secondes. Ok. Ça, c'est très intéressant, par contre. Ok. Ok, pour l'instant, tout se passe bien. Après, je sais pas si c'est dur ou pas. Non, ok. Tout se passe bien. Point de contrôle. L'autre fois qu'on était sur la planète Sargasso, il y avait le logo de Rivette aussi qui était caché. Je crois que c'était un truc à récupérer, donc j'irai faire ça en off, hein, prenez-vous pas la tête. Tout ce qu'on loupe aujourd'hui sera fait en off plus tard. Voilà, pour pas que vous demandez si je vais le faire ou pas, je vous le dis maintenant, ce sera fait en off. Comme ça, au moins, je ferai le 100% du jeu, de toute façon, j'ai jamais fait le jeu, donc... pas de la découverte aussi, pour le 100%. Donc c'est plutôt intéressant. Il donnera mon avis sur le jeu plus tard. Pour l'instant, je suis pas déçu, vraiment, j'aime bien, il n'y a pas trop de défauts. J'ai pas rencontré des gros défauts qui me donnent... me font baisser la note sur le jeu, que j'ai déjà une note finale. Voilà. Une note objective, hein, je vais pas donner une note pour être gentil. Si par exemple, vous me voyez à fond sur un jeu et au final je vous donne 14, c'est parce qu'il y a des trucs que j'ai pas aimé, quoi. Là, pour l'instant, je ne vais rien dire. On verra ça à la fin, quand on aura fini le jeu. Bon, pour vous, ce sera vers mars-avril, je pense, et pour moi, ce sera dans 1 ou 2 mois. Continuez. Alors, moi, je vais pas acheter d'armes, mais la prochaine qu'on achète, c'est le ricochet. Hein. Mais pareil, Madame Zircon. Majeur con. Ok. Bon, pour l'instant, on est bien en termes de rubis. En termes de rubis. En termes de boulons. On est plutôt bien aussi en termes de récompenses. Quand on va là-bas? Il y a une arme à récupérer là-bas. C'est pour plus tard. Ah, d'accord, c'est depuis ici. Ok. Ah, interdite ici. On fait comment pour les déposer? Ok, y a pas d'armes. Ok. Craig Beer trouvé? What? Trouver un ours en peluche Craig Beer? Ok. Ok. Ok, ici on n'a pas le droit aux armes. Ok. Zurki? Ouais, ça peut être des Zurkons ici. Il n'y a vraiment que des orques, hein. Ok, c'est les Zurki. Une chèvre? Non, c'est pas lui. Où est monsieur Zurki? T'aurais pas vu notre capitaine en second préféré dans le coin? Il a mon amplificateur de... Ah, le bleu! Le pirate. Donne-moi l'ampli. Tu m'as suivi jusqu'ici? C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Ouais, ok, il est saoulant lui. Donne-nous l'appli! Vite le rouillé. C'est un fou lui. Oh! Allons dehors, on va dehors, on va se bagarrer. On va faire une baston dehors ou quoi? Une session. Eh oui. Allez, on va affronter Zircon. Ce genre de questions me laisse perplexe.
Ok. On va faire le Devibat Fight ou quoi là? Allez, on va se bagarrer. Ah, je vois! Ah, c'est trop bien! Bah, vous l'avez vite compris aussi, je pense. Hein. C'est des arènes de combat, un peu comme dans tous les Ratchet & Clank en gros. Pas de l'équipe patch de pierre. Allez, c'est parti, on va gagner des bottes. Des bottes pour voler ou quoi? Ok. Oui, mini Zorkon. C'est parti! Oh, c'est Pixel Leader! Allez, vous êtes prêts pour le bug de son, les amis? Ouais, pire des garites, c'est fini. Hein. Hop! On est prêt, vague 2, les amis. Parce que c'est trop stylé dans Ratchet & Clank d'avoir ça. J'aime pas les jeux où il n'y a pas d'arène de combat d'ailleurs. Enfin, dans les Ratchet, les jeux Ratchet où il n'y a pas d'arène de combat. Ok. Ok, c'est bon. Manche de fini. On récupère des boulons, ça c'est cool pour nos nouvelles armes qu'on va acheter plus tard. Pas le 3. Ok, vague 3. Tous les autres robots là? Ah, il y en a là. Pour l'instant, c'est pas, ils sont pas fous les combattants. Hein. Ah, on a plus d'armes, ok. Voilà, c'est bon, c'est fini. Il y en a d'autres? Ok, envoyez-moi tout ce que vous avez sous la dent. Il y a combien de vagues? Je sais pas combien il y a de vagues en vrai. C'est aléatoire ou... Il y en a juste 5. Je crois qu'il doit en avoir 5, un truc comme ça. Hein. J'aime bien ça dans les Ratchet & Clank, surtout dans le 2 et le 3. J'aime bien les arènes. Avec le bagarreur V2, le tronçonneur et tout. Non, c'était trop stylé à l'époque, hein, vraiment... Après voilà, il faut vraiment avoir connu les Ratchet & Clank pour avoir kiffé, parce que maintenant en 2023, c'est dur de kiffer ça quoi. Moi c'était des jeux que je jouais quand j'étais jeune quoi. Quand j'avais entre 10 et 12 ans quoi. C'était mes jeux de cœur. Ok, j'ai amélioré niveau 2, le champitron. On va reprendre le pixeliseur. Hop. Ok. Un pixeliseur, le problème c'est que l'arme est déjà bien améliorée, donc c'est plus dur à améliorer, je pense. Ok. Voilà, lui il est mort. Lui il est mort, vague 4 terminée. Je vais dire manche 4 en vrai, mais non, c'est vague 3. Vague finale? Vague 5, y'a pas de vague finale? Ok, c'est parti. Ok, y'a d'autres ennemis là? Ouais, là-bas. Pas grave, on prend des dégâts. Ok, il est mort. Le pixeliseur, on a 4 munitions en plus. Ok. Hop, là-bas. Ok, j'ai plus beaucoup de munitions, sur Vitron. Pour mettre 2. Allez, sur Vitron, attaque! Ok, là on esquive nous, on fait rien, on esquive, on récupère les munitions quand on peut. Ouais, on rejette un champitron au pire. J'en ai plus? J'en ai plus, les bombes. Ok, fin de la manche. Non, pas encore fin de la manche. Ok, j'ai quoi? Ok, des bombes. Ok, il est pas mort. On va utiliser l'exécuteur. Ok, victoire. Ok. Il n'y avait que 5 manches. Par contre, on n'a pas fait le combat de boss. Donc on sent qu'il va arriver après. Mecha Pirate Janvier. Évidemment. C'est pour le custom des tenues, évidemment.
Alors t'abuses, mon pote. Allez, toi viens. Oh non. Ah bah ce géant. Il est rapide par contre lui. Ok, le tronçonneur quoi, ça rappelle le tronçonneur vraiment dans Ratchet & Clank 2. Hein. Ah, t'as cru que j'allais mourir hein. Ok, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Ah, c'est pas dur les boss dans le jeu par contre. Hein. Vraiment facile. Hein. Ok, j'ai pris des dégâts, bien joué. Ah, il est bon le François là. Ok, ok, je vais gérer, je vais gérer. Ok. Ok, je vais tout mourir. Je n'arrive pas de la vie là. Ça. Ok, je vais peut-être mourir. Hein. On va faire attention de ne pas mourir. Ouh, ouais. On va faire attention. La nanotech peut-être là-bas. Qu'est-ce que je fais moi? Nanotech. Ok, ensuite, ensuite, champitron. Non, c'est une champitron. Champitron. Voilà. Ok, moi j'esquive, hein. Moi je fais rien, c'est champitron qui fait tout. Hop. Allez, champitron. Ok, champitron encore. Eh ben, quel combat hein, contre François le français là. Ok, il nous reste plus que quoi? Bah, l'exécuteur. Hein. Ok, François est mort. On a battu François, les amis. Ok, pas mal. Bah, voilà. Alors. Merci, merci, moi c'est Rivette. Ouais, arrête. Ah ouais? On attend ça. Ah, l'ampli. Je dis ampli tout à l'heure. Non, ton ampli. Terminer un défi dans l'arène. Oh, on va refaire des défis. On va refaire des défis maintenant, là, juste après. Ok, donc ça permet d'améliorer mon clank. Qu'est-ce qu'il arrive à elle? Et mon bras? Oh, il est content. Est-ce que ça va? Où es-tu? J'ai vu la Lombax t'attraper. Je vais bien. En fait, je suis avec la Lombax. Salut, je suis Rivette. Quoi? Salut. Waouh, ça... quel dragueur, quel dragueur. Il y a de la drague entre Lombax. Il sait quoi? Non, 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 non. J'ai déjà assez à faire avec mon propre Nefarious. Eh ben, justement, on doit le renvoyer chez nous et nous avec... Mais sans le dimensionnateur. Ouais. Je crois que nous devons en fabriquer un autre. Ok. J'ai rencontré un prophète de Savali appelé Gary. Ah ouais, le Gary. Comment faire. C'est juste à... Le prophète. Je peux aller jeter un œil. Vous savez, c'est lui qui nous a permis de faire un mini-jeu là, avec des robots là, qui sautent et qui vont vite. Cette dimension. Oui. Pourquoi. Qu'on y aille. Nous trouverons du quartz phasique pour alimenter le dimensionnateur. Si j'ai raison. Nous disposerons alors d'un nouvel appareil en un rien de temps. Bah voilà. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Let's go. Content que tu ailles bien, mon pote. Ah pareil. Hein. Aussi, Ratchet. On est content nous aussi. Wow. Un autre Lombax. Allez, c'est malaisant. C'est mignon et malaisant à la fois. Ah, il y a un espion de quelqu'un qui veut nous écouter. Et ça sent pas bon. Oh oui, bien vu. J'aime pareil moi. Non, 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 on va refaire une coupe là. On va pas partir de suite là. On va faire une autre coupe. Alors, est-ce qu'il y a encore les mini-jeux de pas se faire toucher? Prouve ta valeur bronze. Élimine 25 mercenaires en utilisant que l'exécuteur. Contre la montre, boucle le parcours.
Contre la montre, ok. Élimine un insecte mercenaire en utilisant que l'exécuteur. On fait ça. Oui, ferme la planque. Eh, qu'elle vienne, qu'ils viennent tous là, on les attend. Nous. Ok. Hop, on va prendre des munitions. Ok, ça fait 4. Ok, comment on va là, du coup? Ah, tu n'as pas fait un bon saut? Hop! Tintin, tadadam, tadadam. Ok. Il y a moins en moins de plateforme, par contre, faut faire attention. Ok, c'est un peu plus dur parce que les plateformes, forcément, elles disparaissent. Ok, il est un peu plus dur comme passage, là. Comme combat. Ah, c'est du vrai combat. Comme j'aime bien dans les Ratchet & Clank. Jouer avec la manette PS4, forcément, c'est l'une des manettes où je suis plus habitué à jouer avec. Il faut aller chercher les munitions. Ok, plus que 15 à battre. Ok, bah ça va être long. Accrochez-vous bien. Attendez, comment je vais faire là? Ils sont trop loin. Ok. Allez, venez! Ah, c'est un piège pour eux parce que l'autre que j'aurais fait, c'est de les amener dans ma zone de confort là. Voilà, dans une plateforme centrale où je peux tous les voir. Ok, je m'en vais. Mais je suis mort comment? Mais franchement! J'aime pas, je suis quelqu'un de très très impatient. J'aime pas mourir. C'est vraiment un des gros défauts, vous avez remarqué au bout de 1000 let's play. C'est quand je meurs, je réagis toujours. Et vous allez le voir direct, hein, que j'aime pas mourir. C'est pas une surprise, non. Hop! Ok. On va aller là-bas direct. Ok, let's go! Ça fait déjà 7, hein. C'est pas vite en vrai. Ok. Ok, les volants, ils sont là. Ok, c'est ça vraiment qu'il faut faire attention. Hop! Ok. On reprend des munitions. On va rester là. Hop! On y va. Ok, ouais, il y a beaucoup trop. En fait, le problème, c'est que les volants, ils sont plus durs à vaincre en vrai. Par contre, pas mal à celui-là. Vraiment, pour l'instant, c'est un défi vraiment. Une très bonne note, lui, mais parce que vraiment il est pas facile à faire. Et en plus il y a de la difficulté et elle est bien pensée à la difficulté, j'aime bien. Ok, on a 19 sur 25. Ah, je me suis barré avant. Ah! Oh non! Ah, je crois que c'est la mer. Ah, on a la mouise, les amis. Hein. Aïe aïe aïe, je suis bloqué. Ok. Allez, les munitions sont là-bas. Hop. Et là, on voit vraiment que ça sert beaucoup de pouvoir. Hein. Vraiment un pouvoir vraiment bien stylé. Hein. Ok, on va mourir là si on fait pas attention. Ok. Wow, il fait combien là? 24 sur 25, ok, plus qu'un. Non, merci pour le passage. Oh, bah, ils sont gentils en vrai, les monstres là. Ok, on les a eu. Victoire. Ouh! Défi pas simple, hein. C'était vraiment.
flippant. C'est flippant. Et c'est du bronze. Hein. C'est niveau bronze. Hein. Alors imaginez-vous le niveau argent ou or. La difficulté d'être un peu plus au-dessus. Alors, on va faire juste contre la mode. Le parcours pour Scarapide vite. Ils ont fait. Ah, oh, s'ils ont fait comme dans Ratchet & Clank Gladiator, c'est vraiment stylé. Parce que dans Ratchet & Clank Gladiator et dans le 3, il y avait des trucs vraiment stylés. Ok. Hop. On est parti. Alors, on a du temps à partir. Ouais, ok. Là, ça rappelle un peu les courses overboard avec Skidmat Marks et tout, là. Alors, par contre, si on explose, on est mal. Hein. On va éviter les... Ok, pour l'instant, tout se passe bien. Hein. Ok, on va prendre deux dimensions, alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow! Wouhou! Ok. 7, 6, 12, 11, 10, 9, 8... Ah! Oh, c'est un peu graphique, ça. Enfin, c'est pas un peu graphique, mais c'est mal situé. Ok. 8, 7, 6, 5, ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ok. Attention, ça bug. La dimension là elle est trop buggée en vrai. J'ai l'impression qu'il y a un bug dans la dimension qui est là. Ok. On peut en arriver. On a fini. On a fini la course. Victoire. Incroyable. J'aime bien, j'aime bien. Et on a gagné un boulot en or. Ta-da-da-da. Allez, fais les petits jongles. Hop. On dirait la coupe de la ligue. Battre le Grungor squelettique. Oh, c'est un gros boss. Oh, le boss qu'on a en face de nous là. Oh, je sens que ce boss-là, il va pas être facile. J'ai trop envie de voir à quoi il ressemble le boss, là. C'est trop stylé. Oh! Oh, il fait pas peur! Enfin, physiquement, il fait pas peur. Après, c'est un boss de niveau bronze. Hein. Donc, c'est pas un boss incroyablement dur à vaincre, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a créé ce boss? Parce que franchement, pour l'instant, pas ouf. Hein. Après, on parle peut-être trop vite. Hein. Ah ouais, il fait mal, par contre. Oh, par contre, il a une rapidité pour bouffer avec la... Non, pour bouffer, lui. Ok, on va passer au champignon. Des requins de sable de squelette. Ouais, ça n'a... C'est vraiment ni qu'une tête. Hein. Ouais, d'accord. Aïe! Madame, je t'ai pas demandé de m'attaquer aussi vite, hein. Hop. Ok, il fallait prendre de la vie. Poussez-vous, madame, prendre de la vie. Vous êtes en train de faire trop de dégâts, là. Je vais mourir. Ok. C'est compliqué. Hop. Par contre, il y a beaucoup de vie de résistance, hein, le boss. Ça, c'était vraiment pas attendu au départ. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ouais, on va prendre ça, hein. Le vaincre. Voilà. Elle m'a vaincu le boss. Voilà, on a fini la coupe de bronze. On va faire la nouvelle planète du coup. Carbonox et vos jambières. 1 sur 3. Voilà, Rivette. Allez. On a maintenant le niveau argent. Ah non. Ah ben non, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on vienne plus tard du coup. Bah écoutez les amis, on va aller sur la nouvelle planète. Voilà. On va aller rencontrer peut-être une planète avec un matériau spécial. Je sais plus comment ça s'appelle le matériau. Matériel, pardon. Alors, là-bas il y a un truc à récupérer, mais je sais pas comment on fait pour le récupérer. Là-bas, il y a un truc à récupérer là-bas. On va voir plus tard. Est-ce que cette planète est... Ah non, il y a un autre truc là-bas, regardez. Attendez, hop.
Va me surprendre, je vais acheter une nouvelle arme. Non, il ricochet. On va dans l'ordre. On fait dans l'ordre de sortie et voilà. Comme ça. En plus, on rouvre des armes. Let's go. On a le ricochet maintenant. Nous, c'est plus 6 heures, il faudrait passer level 4. C'est vraiment stylé. Ok. C'est une amie. Ça n'a sûrement rien à voir avec notre problème, mais Mork n'appellerait pas Alex si c'était pas important. Ok, on va retourner sur Sargasso du coup. On va commencer par retourner sur Sargasso, je pense. Ok. Est-ce qu'on a le choix de planète ou pas? Si on a le choix de planète, on va sur Sargasso en premier. Oh, Nefarious! Bonjour, Dimension. Ok. Ok. Mon superbe décor est découvert qu'il y avait deux, oui, deux lombax insolents en cavale qui cherchaient à tout dévaster. Oh là, il est énervé, Nefarious, mais ça fait pas peur. Ça nous fait pas peur, nous, Nefarious. Hein. À quiconque me ramènera ces deux vauriens à fourrure, mort ou vif, mais vif de préférence. Ok. Ouais. Ouais, parle mieux à tes. Ah, ça, c'est une parole de tout cracher, ça. Hein. Ah oui, il y avait un robot, on l'a vu juste avant, qui espionnait. Alors, on a Savali, Bizarri et Sargasso aussi. On va être sur Sargasso, du coup, on va les détruire. Et après, on ira, au prochain épisode, on ira sur notre planète, du coup. Allez, c'est parti. Alors, cette émission, elle dure plus de 10 minutes, on la finira la prochaine fois, et on ira sur notre planète la prochaine fois, évidemment. Alors, je sais pas si on aura une mission, on aura Ratchet qui va nous aider, parce que Ratchet est dans l'espace depuis tout à l'heure, là, mais... À un moment donné, il va bien agir. On va pas contrôler que Rivette, je pense pas. Je pense que ce sera une variation entre les deux personnages. Alors, quel renfort nous a demandé Trudy, là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oui, apparemment, il va être... Ah, ok, c'est lui. Le sur-pierre, ok. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ok. On y va? C'est trop simple. Hein. C'est trop simple, il va se passer quelque chose. Il en faut combien? Il en faut 15? Ok. Ok, il en faut 15 pour Trudy. Ok. J'arrive. Attention. Ok. Et c'est où qu'on doit lui donner ça? Il est où Trudy là? Il est là, ok. Oh, il est mignon, regardez-le. Trop content. Oh, trop bien. Ok. Ah, attendez, on va regarder la carte. Oh, c'est tous les urpires, ça. Tous les urpires, ça. Waouh, oui, d'accord. C'est pas une petite mission de merde. Hein. On a quand même énormément de urpires à récupérer. C'est quoi, ça? Allez au site du crash. Non, non, ça, on s'en fout. Donc, si on va là-bas, on peut récupérer des urpires qu'on n'a pas encore récupéré du coup. On va chercher quelques orpières avant de se laisser, les amis. Histoire de bien faire le taf, hein, évidemment, un minimum.
Ah mince. Ok. Comment je pourrais aller là-bas? On en sur la tête de mort qui est là peut-être. Ok, et il y a quoi ici? C'est quoi ça? Je sais pas à quoi ça sert. Ah si, je peux avoir une tête pour avoir lui là. Ok. Ok, ça c'est... Ok, d'accord. Quand tu sors de la map, tu vas attaquer par des trucs dans l'eau. Ok. Eh ben écoutez, hein, on va parler à ce robot. Ménard. Ok. Et donc, du coup, il y a plein de... Ok, il y a plein de trucs à récupérer. Et quoi, si on les a tous, ben, on a une récompense, c'est ça? Pourquoi il y a des ennemis là encore? Attendez. Je vais voir si là-bas il y a des trucs pour Trudy d'ailleurs. Des trucs pour Trudy ici ou pas? Non, y a rien. Par contre, là-bas il y en a. Ok. On va aller là-bas. Ils sont arrivés. Comment on va là-bas? Voilà. Ok, on récupère un peu de trucs pour Trudy, on va se passer là juste après. Ah ben... À un moment donné, faut faire un peu un effort, hein, Rivette. Hein. C'est pas en tombant dans l'eau ou dans l'acide dégueulasse, je sais pas ce que c'est là. On va avancer. Hein. Ok, on récupère ça, let's go. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, là-bas, il y en a. Hein. On va essayer d'aller les récupérer, évidemment. Ok. Un titre sur 30. On peut les 30 pour avoir les bottes. Je te remercie de t'être donné autant de mal que moi. Ok. Oh, on va faire un petit peu de plaisir ici. Le pixeliseur. Tu régales ou pas? Non, on va prendre l'exécuteur, tiens. Hop. Et un autre ici, let's go. Il n'y en a plus dans ce coin-là, donc on va faire demi-tour. On va retourner sur le centre de sur la base générale, là-bas. Il y a peut-être des urpières qu'on va pouvoir trouver dans le coin. On n'ira pas la quête des urpières en vidéo, hein. C'est-à-dire qu'on va pas le faire en off, je pense. Parce qu'il y a quand même peut-être des trucs à récupérer dans le coin qu'on n'avait jamais trouvé, genre les boules en or et tout. Regardez, par exemple, j'en vois un juste ici. On va le récupérer maintenant. Voilà, pas perdre de temps, on y va maintenant, let's go. Hop, il y a quoi d'autre ici? Il y a ça. Il y a apparemment pas loin. Hein. Ouais, c'est ici, on le voit d'ici. Il y aurait du raritanium. Sur une plateforme qui est un peu plus vers là-bas, il y a aussi des urpières, mais je sais pas comment on les récupère, ceux-là. Ah, il faut qu'on aille en face, ok. Faut juste qu'on aille en face. On va aller en face, on va récupérer les urpières, on va ramener les 30, et après on va arrêter là pour... Pour l'épisode numéro 4. Évidemment. Hop. Allez, Rivette, on peut le faire. Du coup. Je viens vous menacer, les amis. Voilà, niveau 3 exécuteur. Ça, c'est pas rêvé. Voilà, bugué, les amis. Bugué. Vous, votre but, c'est juste de bugger, voilà. Et toi, meurs, hein, s'il te plaît. Voilà, merci. On va récupérer les orpires juste ici. Il y en a deux. Ouais. Ah bah, c'est gentil, ça. C'est très gentil de ta part. Alors, attends. C'est là-bas. Ouais. On a juste de là à récupérer, on y va. Ah, une anecdote. Ouais. Ouais. Oh, c'est trop mignon de raconter votre vie maintenant là. Un moment. Ok.
On n'est pas venu ici encore? Ah non, on n'est pas venu ici, tiens. On va trouver un nouveau lieu. Ok, on va faire juste ça avant. Il ment, lui. Vous êtes prêts, amis? Ok, tout juste. Et on récupère. Assure quelque chose de bot encore ou de tenue, je ne sais plus laquelle. 2 sur 3. Très bien. On peut y aller, on peut partir. Arrive. Désolé de t'avoir embêté sur ça, mais. Ça m'avait beaucoup intéressé de voir ton niveau. Il y a un Zorpierre ici? Mais je l'ai pas trouvé le Zorpierre qui est là. Il est où? Ah, il est là-haut peut-être. Ouais, il est là-haut. Ok, on n'avait pas vu qu'il y avait un étage. Il doit être dans le coin du coup, le deuxième morceau de Zorpierre, il doit être dans le coin. Il est où? Ah ouais, la porte. Oh, t'as la télé. Il y a un succès si t'aimes la télé, bah vraiment. Aucun effort. Aucun effort. Bon, tant pis, il va nous manquer des produits de Zorpierre, mais bon, on verra plus tard. Est-ce que c'est grave? Non. Pas du tout. Il y a plus grave. Bon, on va aller chercher les bottes, on va cesser là pour l'épisode. Hop. Attends, on est où là? On n'est pas à la base là. Ouais. On comprend. Ok. Ah oui, attendez, on a des Zorpierres partout ici là. Ah bah là il y a un boss. Attends, est-ce que alors lui. Pas pour rigoler hein. Il est pas là pour rigoler. Ok, attendez, parce que là, on s'est confronté à plus fort que nous, peut-être. Ok, il n'y a pas de la vie, là? Il y a de la vie. Ok, on va faire attention. Il va nous abattre, hein. Il va nous abattre avant qu'on le tue. Quoi ça? C'est des tourelles? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça l'immobilise! Oh, c'est trop bien! C'est stylé ça! Ok. On va prendre la fleur encore. Immobilise-moi ce machin. Un petit champignon. Pour l'abattre. Et puis ça. Allez, champignon! Voilà! On l'a battu. 3 raritaniums, ça fait plaisir, on se régale. Par contre, comment on fait pour revenir à la base là? Parce que là, du coup. Apparemment, ici, il y avait des trucs qu'on n'a pas récupérés ici. Santé collectée, let's go. Je comprends plus rien. Là, moi, je voulais rentrer à la base au départ et là, je me suis bloqué. Bon, allez. On va pas arrêter là. J'allais dire, on arrête là, mais attendez, on va faire un truc avant. On va fouiller. Voilà, on va fouiller un peu le coin. Du raritanium. Ça fait toujours plaisir d'en avoir beaucoup en stock. On peut pas y aller, du coup. On va arrêter là, on va faire une sauvegarde évidemment. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime,
un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez du jeu, évidemment, ce que pensez-vous de Ratchet & Clank Rift Apart, ce que vous pensez aussi des missions qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, sur l'abonnement, c'est du soutien, merci à ceux qui le font encore, vous êtes les meilleurs, même les GM, hein, c'est du soutien. Et n'hésitez pas à aller dans la description, voir ma chaîne Twitch, ma chaîne Kick, ça c'est pour les lives. Mon Discord, c'est pour aller voir les annonces, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Et le lien du jeu que je vous mets, n'hésitez pas à aller récupérer Ratchet & Clank. Et Instant Gaming, si vous utilisez Instant Gaming, n'hésitez pas à mettre le code qui est aussi dans la description. C'est du bonus. Plein de love, plein de bisous. Merci à vous. On se retrouvera pour l'épisode numéro 5 de Ratchet & Clank Rift Apart. Ciao tout le monde.